ne t'inquiète pas, tu vas retourner à l'école, c'est pas grave, c'est non plus. C'est une vidéo spéciale de mon départ. Mona, je t'avais promis, la voilà, et on fera du chair yoga. Donc un petit snack, 10 minutes chrono, on viendra s'étirer un peu dans la position assise. Car parfois, on est juste coincé tard le soir au bureau, on sait tous que assis derrière un écran n'est pas la chose la plus confortable à faire. Donc je vous recommande de faire cette vidéo pendant notre petite pause déj, c'est ce que je suis en train de faire là. Ou bien autant que possible, ou quand le besoin est senti. Donc oui, juste 10 minutes, rien de matériel, même pas un tapis, assis sur une chaise. Ça commencera tout de suite, déjà par apporter un peu de conscience à la colonne vertébrale, réajuster sa posture, dégager les épaules vers le bas et se connecter à la respiration. Une bonne inspiration par le nez. Fermez les yeux si ça peut aider. Une expiration par la bouche. De petits gestes. Comme ça, on ne va pas trop effrayer vos collègues ou les gens qui se retrouvent en face. Ou même pas. Juste quelques étirements très doux. Et ça commence par se connecter à la respiration. Donc on commence à approfondir les inspires. Marquer un temps de pause. Et expirer par le nez. Après, on rajoute la tête, on baisse la tête, on allonge le dos, montant poitrine. Et à l'expiration, on soulève, on regarde vers le haut. Quelques fois comme ça. Et on revient à faire la même chose de gauche à droite, en gardant le dos bien droit. On penche la tête, on se retourne vers la droite, revenez au centre, vers la gauche. Prenez votre temps quand vous faites des mouvements comme ça. Aussi petits qu'ils puissent être, ils apportent beaucoup de bien. Donc là, on se recheck la position. Peut-être écarter les pieds ou les rapprocher. Serrer les jambes. Commencez à engager l'abdomen. Et revenir au centre. Baissez l'oreille droite vers l'épaule droite. Là, avec la main droite, qu'on pose sur la tête. Et après, tendre peut-être aussi le bras. Faire des mouvements avec des poignets. Parce que taper sur un clavier, peut-être fatigant. Et après, venez croiser le bras gauche derrière le dos. En restant ici, on va revenir à la main droite, on relâche la tête aussi et ramener la main droite vers le genou gauche. Peut-être twister un peu plus. Ok. Expiration, on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Donc l'oreille gauche d'abord vers l'épaule gauche en cherchant ce délicieux allongement au niveau de la nuque. S'il y a des points de tension, n'hésitez pas à les masser avec la tête. Bien les phalanges. Fais une toute petite pression avec la main droite. La main gauche par le moment. Bras droit tendu. Et on rajoute ici la main. Ou bien le poignet. Et on vient fléchir le bas droit derrière le dos. Un petit étirement. Relâchez la tête et twister. La main gauche vers le genou droit. Et expiration, on va lâcher. On fait la même chose avec les bras tendus. Donc un étirement vers la droite, soulevez la tête, regardez vers le haut. Dégagez ou écartez le bras gauche. Fléchissez les coudes. Et prenez le coude avec la main opposée. Restez ici, ou bien peut-être libérer le bras droit et aller chercher le sol. Le bras gauche peut être tendu ou fléchi. Revenez au centre, prenez les deux coudes, écartez vers l'arrière. Et on change vers l'autre côté, soit le bras tendu. Prenez les coudes, regardez le haut. Expiration, relâchez le bras gauche et venez vous étirer un peu plus vers la gauche.
On relâche. Croisez les doigts derrière la tête. Et étirez-les. Idéalement, peut-être vous aurez un peu plus d'espace que moi. Si c'est le cas, alors penchez-vous vers le devant. Si ce n'est pas le cas, peut-être un peu plus d'espace vers le côté. On vient poser le ventre sur les cuisses, détendre les bras vers le haut. Expiration, on relâche. On vient s'asseoir et twister. Donc vers le côté gauche, droit, main gauche vers le genou droit. Et la main droite par derrière. Alors vous pouvez la laisser soit sur le même côté, soit peut-être chercher le côté gauche de la chaise pour un extra twist. Oh, ça fait du bien. Définitivement mon étirement préféré. Et expiration. Relâchez la même chose de l'autre côté. Donc la main droite soit sur le genou gauche. Et bien si vous voulez approfondir le biceps, la jambe de la chaise, la jambe de la chaise aussi. Et la main gauche par derrière l'autre jambe de la chaise. Vers le côté gauche. Expiration, relâchez. Revenez avec les mains sur les genoux. On va faire quelques 4-5 cases assises. Donc à l'inspiration, creusez le bas du dos. Levez la tête, regardez vers le haut, penchez la tête aussi en arrière. Expiration, poussez dans les mains, arrondissez, ramenez les moutons vers la poitrine. Et on fait ça, à l'inspiration, on lève la tête, on regarde vers le haut. Expiration, on arrondit. Une dernière fois ici. Expiration, on relâche, on relâche cette fois. On vient tendre les jambes sur les talons et glisser vers le bas. Faites juste attention au bureau, glissez. Glissez, glissez, peut-être attraper les orteils, une sorte de follow front, mais assis. J'espère juste qu'un de mes collègues ne viendra pas ouvrir la porte là, parce que ça sera une situation vraiment bizarre. Ok. On déroule le dos et on remonte. J'espère aussi que personne de mes collègues va voir cette vidéo. Je plaisante. Ok, une autre, un dernier étirement pour le bas du corps. Donc, on viendra prendre les jambes, dans ce cas-là, jambe droite. Pied fléchi sur le tapis bien assis, on voudrait garder les notions de base. On fléchit le pied et on flexe le pied pour protéger la cheville. Et après, pareil ici, avec une main sur le genou, l'autre sur le pied, soit on allonge le dos, soit si ça est confortable, on sert à vous pencher vers le devant. Un superbe étirement pour la hanche. Moi, je le sens tout de suite. Cette zone-là a tendance à trop se crisper. On retient beaucoup de tension assise dans une selle. Donc, assise sur une chaise. Trop de S et de chien. Ok. Après, expiration, revenez. On peut même rajouter un twist ici. Donc, les twists, c'est les torsions qu'on vient essorer. La main gauche vers le genou droit. La main droite, soit derrière, soit peut-être attraper la chaise. Et twister un peu plus. Expiration, relâchez. On vient faire la même chose de l'autre côté. Donc, le pied gauche, flex sur le genou droit. Et la main sur le genou pour le baisser. Et après, peut-être se pencher sur la jambe. Oh. Rien de même que le pied. Quand on arrête de parler, ça veut dire il est bon, il est vraiment bon ce stretch. Ok. Expirez, on remonte, on rajoute ici une petite torsion avec la main droite qui vient vers le genou gauche et la main gauche qui prend la chaise pour twister un peu plus. Expirez, relâchez, libérez les jambes. Et peut-être pour finir, dernier, on peut glisser vers le bas, prendre pliés, pas des jambes non plus. Bref, prendre la chaise et peut-être rajouter un étirement pour soulager le dos avec les jambes écartées. Laisser un peu de sang vers la tête, ramener un peu plus de flux sanguin, plus d'un étirement, plus d'air frais.
Expiration, relâchez, remontez. Si vous voulez rajouter des étirements debout, faites-le. Sinon, c'était surtout, c'était notre petit goûter, sorte de snack. Génial pendant la petite pause déj ou à n'importe quel moment, histoire de faire une petite rupture sur le boulot et puis réenchaîner. C'était tout. Merci à toi, Mona, pour la suggestion. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Une vidéo sur cette chaîne tous les lundis et jeudis. Voilà combien de temps ça va durer. Mais promis et délivré, la voilà. À la prochaine sur le tapis ou une chaise ou en verre. Tchuss!